Bonjour mes petites douceurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Je viens ouvrir ce vlog. On est mardi 28 du 9. Je me prends un peu tard. D'habitude, je l'ouvre le lundi. On est mardi. Je suis désolée. Mais hier, je me suis beaucoup, beaucoup reposée. J'étais fatiguée. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Du coup, je vous explique que. Depuis jeudi, je n'ai pas beaucoup, beaucoup lu. Du coup, voilà, c'est pour ça que je n'avais pas ouvert de vlog. J'aurais bien voulu faire une vidéo, un petit vlog vidéo de la bourse, la convention Disney que j'ai faite samedi, dimanche, mais j'ai pas eu le crédit, j'ai pas eu l'occasion. J'ai donné un coup de main à mes amis et on n'a pas arrêté. C'était là, il y avait quand même pas mal de monde, du coup, voilà, on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup eu le temps. Du coup, voilà, j'ai pas fait cette vidéo, mais c'est pas grave, on s'en sortira quand même. Du coup, comme je vous ai dit, j'étais samedi du matin, on a fait quelques courses, j'ai fait quelques nettoyages, rangements. Après-midi, j'ai eu des amis qui sont venus, que vous connaissez déjà maintenant sur la chaîne. Comme il y a 2-3 vidéos avec eux. Ils sont venus après-midi. Après, au soir, j'ai fait quoi? Je ne sais plus. Vendredi, j'avais regardé Danse avec les stars. Du coup, j'ai pas lu. Je sais plus ce que j'ai fait au soir. Je me demande si j'ai pas lu un petit peu quand même samedi. Je pense, mais je ne suis plus sûre. Dimanche, ben, je suis rentrée. Je suis partie très tôt et je suis rentrée très tard. Il était 23h. La chose que j'avais envie, c'est d'aller me plonger dans mon petit lit. Voilà. Le lendemain, lundi matin, ben hier, pour moi, c'était hier. Pour vous, non, c'était lundi. Mais lundi matin, j'avais mal partout. J'avais mal mes jambes, mon genou, mon bas du dos. C'est pas possible. Je n'en pouvais plus. Mon genou me disait mère, je le sentais bien. Du coup, j'ai préféré profiter et reposer. Mon corps, voilà. Je suis encore fatiguée. On voit peut-être encore un petit peu de sueur. Non, ça va mieux. Mais j'étais claquée. J'arrivais pas à. J'ai pas su lire. Je me dis, c'est bien. Comme je suis un peu. J'ai mal mon genou. Je vais me mettre dans le fauteuil et je vais bouquiner. Ça va reposer en même temps. Ben non, pas du tout. Pas du tout. À chaque fois, j'essayais de me mettre. J'ai mes yeux qui partaient comme ça. Du coup, j'ai dit tant pis. Regarder des vidéos, des fois je mettais la vidéo, je faisais pause, je m'endormais, puis je me réveillais toutes les 5 minutes, voilà. Du coup, voilà. Du coup, on est mardi et je viens ouvrir ce vlog et je vais vous parler quand même de ma lecture et d'un autre problème que j'ai eu. Là maintenant, je vais vous montrer. J'espère que je vous la mettrai avant. Non, en fait, non, vous direz peut-être avant. C'est pas. Je sais pas. Ici, les vidéos sont mises cette semaine. Si je me suis à vlog samedi, non, alors vous ne l'aurez pas encore. Non, du coup, je vais rien dire. Du coup, j'ai commencé. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit dans le vlog précédent. Quoi qu'il en dise, de chez Hugo, de la collection Nous Romans, de Amy Love, je ne sais plus. Je vais aller coucher de Dani. Voilà, je suis arrivée à la page 254. J'aime beaucoup. Je me suis plus replongée dedans depuis un moment. Du coup, j'ai un peu peur de perdre les idées. Voilà. J'aimais bien. Maintenant, je ne sais plus. Voilà, j'aimerais bien le terminer avant jeudi, mercredi. C'est quand le premier? Le premier, c'est vendredi. Il faut que je le termine gros max jeudi matin. Ah, jeudi. Jeudi soir, il faut que je le termine. Du coup, je vais regarder pour couper ça en 3 jours. Il fait combien de pages? Je ne sais pas. 400 et quelque chose, je pense. Comme j'ai mis la ficelle de mon truc, je ne sais pas ouvrir le livre. Ouais, presque 500, quoi. On a toutes les photos des autres livres. Enfin 5 parce que c'est 54 là, 55 là.
Je ne sais plus calculer. J'ai trop compté dimanche. Du coup, j'ai 455, on va faire moins. J'ai marqué 255. Ça va plus. Du coup, égal 200. 200 divisé en. Il faut que je lise 200. Il faut que je lise 50 pages aujourd'hui et demain. Divisé en. Mais combien? 3 jours. 3. 3 est égal à. Il faut que je lise 66 pages. Ouais. Si je lis 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain, je serais tranquille. Ce serait le top. Voilà. Du coup, là, il me reste 200 pages à lire. J'aimerais bien le terminer. Comme ça, j'ai lu un livre de plus dans ma palle. Parce que il faut que je filme ça après. Je vais faire ma palle. J'ai encore quelques vidéos à vous filmer juste après ça. Pour vous mettre la semaine prochaine. Ici, vous allez avoir la palle d'octobre que j'ai mis. Elle tombe le 1er. Le 29, vous avez. Ça, vous l'aurez déjà vu. Parce que vous serez le 2, 2, 3. Vous verrez cette vidéo le 2. C'est ça, le 2, du coup, vous l'aurez déjà vu. Mais j'aimerais bien mettre le 4. Pour le 4, la pile à lire de septembre. Si je l'ai réussi ou pas. Pour vous, vous savez déjà. Mais oui, je l'ai réussi. Voilà, mais j'aimerais bien la tourner et dire ce que pense des livres, surtout. Ce serait mieux aussi. Même si vous avez une avis sur la question dans les vlogs. Mais voilà, comme ça fait. Pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, ils auront comme un mon point sur ces livres-là. Et voilà. Et commencer la palle de octobre qui est tournée et déjà mise en définition. Enfin, est déjà mise sur. Je ne sais plus, j'allais dire Insta. Sur YouTube qui est installé déjà, que j'ai tout mis parce que je savais que comme j'étais pas là le week-end, vous avez pas vu là, par contre il y avait pas de vidéo lundi, mais j'en avais pas, je savais pas quoi mettre lundi, du coup j'ai rien mis du tout. Du coup j'ai mis Pokémon mercredi et la palle d'octobre vendredi, comme ça tombait le premier, ça tombait bien ce vlog samedi. Voilà. Il sera peut-être plus court, mais voilà, je prendrai peut-être plus, voilà. Du coup, voilà, et sur ça, ben, c'est tout. Je n'ai plus rien à dire. Il faut que je tourne la palle et mes achats de mois de septembre. Ouh, je ne sais plus, je suis perdue. Du coup, je vais faire ça, je vais faire le tournage de ces vidéos. Du coup, moi, je vais vous laisser et je vous reprendrai certainement demain. Mais demain, je vous reprendrai plus tôt. Parce que normalement, je n'aurai rien de spécial à faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà fait toute. Enfin, une grosse partie de de ce que j'ai à faire à la maison. Que je fais un planning. Hein, parce que maintenant, voilà. J'ai été faire mes courses. Du coup, c'est fait. J'ai fait. Aujourd'hui, c'est les poubelles. Du coup, tout ce qui est poubelle, c'est fait. Voilà. Et du coup, voilà. Et demain, j'aimerais bien bouquiner. Enfin, j'espère bouquiner. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et il faut aussi demain que je monte les vidéos pour la semaine prochaine. Voilà. Comme je vous ai dit, ceux-là, ils sont mis depuis la semaine passée. Mais comme je savais que je. Enfin. Que samedi et dimanche j'étais pas là, j'aurais pas su mettre de vidéo, et que samedi j'étais pas sûre de savoir les faire comme j'avais les amis qui venaient après-midi, mais au matin j'avais fait quand même un ou deux montages, je pense. Où j'ai non, j'ai joué au Sim 4, j'ai essayé de créer ma maison, j'ai essayé de la faire de A à Z moi-même. D'habitude, je prends toujours une maison dans la galerie, et ici j'ai essayé de la faire moi-même. Voilà, bon, elle n'est pas finie, il me manque encore des trucs, mais voilà. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vais aller tourner les deux vidéos qui me restent à tourner. Comme ça, vous l'aurez de la semaine prochaine. Et sur ce, je vous laisse et je vous reprends demain. Je vous fais des gros bisous. À demain. Pour vous, à tout de suite.
Bonjour, petit Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis un peu dans cake, mais on va faire avec. Je reviens dans ce vlog. On est mercredi le 29 septembre. Que ça va vite. J'ai eu l'impression de pas voir le mois passer. Voilà. Et surtout, c'est parce que le mois qui arrive, c'est le mois de mon anniversaire. Du coup, ça va trop vite. Chaque fois que j'ai pas envie de vieillir un an de plus, j'ai pas envie, pas envie, pas envie. Bon, on fait un souhait. On est en train de préparer ça en plus, les anniversaires. Parce que comme il y en a deux dans ce mois, il y a le mien en premier et puis il y a celui de mon chéri. C'est 4 jours après, si je dis pas de bêtises, je sais plus compter. On fait un souhait, voilà, et du coup on est en train de préparer ça. Et comme mon chéri, c'est 30 ans, j'aurais bien voulu. Que soit avec toutes les personnes qu'on a envie d'être, mais le problème c'est ce putain, je peux pas dire de gros mots, mais tant pis, de virus. Je crois que tout le monde commence à en avoir marre. J'ai une tasse dans mes lunettes qui m'embête. Tout le monde pense en avoir marre et moi avec. Ici, il va y avoir le pass sanitaire qui va arriver pour aller au resto. Voilà, bon, moi je m'en fous, je l'ai, mais voilà. Tout le monde ne l'a pas encore dans ce que je voulais inviter. Du coup, voilà. Oh, j'ai une autre trash. J'ai des taches dans mes lunettes, j'arrive pas à les faire partir. Comment vous faites vous vos lunettes? Parce que là, voilà. Du coup, voilà, ça m'ennuie un petit peu, mais on va faire avec. On n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, j'ai pas. J'ai envie de rien foutre. Ça fait. La semaine passée que j'ai pas vlogué et cette semaine, j'ai envie de rien faire, mais rien faire, rien faire, rien faire de ce du tout. Hier j'étais motivée, j'ai fait le plus gros de ce que j'avais à faire chez moi. J'ai tourné quelques vidéos pour vous les faire. J'ai plus qu'à les monter. Je devais les monter aujourd'hui. Est-ce que j'ai monté? Non. Non, pas du tout. Il va être 2 heures et j'ai toujours pas monté de vidéo. J'ai juste envie de dormir. Et puis le temps non plus n'arrange pas les choses. Il fait que pleuvoir. Enfin maintenant il commence à avoir un peu de soleil. Ça commence à faire un petit peu du bien. Mais voilà quoi. Pour vous dire, je viens juste de sortir de la douche. Pour vous dire à quel point je suis très motivée aujourd'hui. Je suis fatiguée, je crois qu'on voit. Enfin, je suis fatiguée, mais je dors bien. Pourtant, c'est ça que je comprends pas pour le moment. Je crois que je vais devoir prendre des vitamines pour l'hiver. Voilà. Mais je pense qu'aussi c'est le changement de saison qui fait un petit peu. Ça ira beaucoup mieux dans les semaines à venir. Bon, du coup, j'essaie de faire ce que mon corps me dit. Parce que là, c'est pas. J'ai pas envie d'avoir de problème. Voilà, comme c'est en plus pas le moment. Je commence à tomber un peu malade, j'attrape un rhume, j'ai mon nez qui est chargé tous les jours au matin et au soir. La journée, ça va. Je tousse à mort le matin et le soir. J'en peux plus. Du coup, voilà. La nuit, je dors très mal. Enfin, je dors, mais bien et très mal. Enfin, je dors bien, mais j'ai du mal à m'endormir. Voilà. Tout ça. Il était passé minuit quand je me suis endormie. Pourtant, j'étais déjà dans mon lit depuis un moment. J'essayais de m'endormir et me c'est arrivé. J'ai continué à bouquiner. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, il est arrivé. Après, j'ai vu qu'il s'endormait. Du coup, j'ai tout éteint pour qu'il dorme. Mais moi, pas moyen de m'endormir. Du coup, voilà. Du coup, je pense qu'il faut que le corps s'habitue au changement de trucs. De mettre des pulls aussi. Voilà. C'est pas le top non plus. On était bien en été. Enfin, été. On n'a pas eu trop d'été. C'est ça aussi, on en manque de soleil, quoi. On en manque de tout, je pense. Voilà. L'été qui va être encore très dur, qui va nous casser les pieds. Voilà. Ici, j'essaye de tenir le coup sans chauffage. J'ai toujours pas de chauffage. On est le 29 septembre, j'ai toujours pas mis de chauffage. J'essaie de tenir le coup gros max jusqu'au premier. Voilà. Si après le 1er octobre, il commence à faire froid,
S'il fait 3 jours de pluie, je pense que je vais devoir l'allumer. Bon, on est déjà presque au bout, du coup, ça va, ça va, ça va. Bientôt pouvoir l'allumer. Enfin, j'aimerais bien plus tardivement, voilà, mais avec le temps qu'on a, je pense que je vais plus traîner à devoir le mettre le chauffage. Et puis, je crois que mes loulous commencent aussi à avoir un peu froid. Voilà. Mais par ça, c'est tout. Bon, du coup, j'ai lu un petit peu hier. J'ai pas lu grand-chose, mais j'ai quand même avancé. Je suis à la page 295. Je suis au chapitre 32. Pour une fois, je suis au chapitre 32. Il me reste ça à lire. J'aimerais bien lire au jour, là maintenant, après. Après vous avoir pris. Voilà, boire un coup avant, après. Et lire. Voilà. Aujourd'hui, à manger, ça va aller vite parce que je suis pris des lasagnes. J'ai qu'à mettre au four. Ça ira vite. En attendant que ça cuit, je peux encore continuer à lire. J'aimerais bien le terminer. Il faut que je le termine demain, au gros max. Voilà. Mais j'aimerais bien le terminer ce soir. Mais je suis pas sûre. Voilà. Comme ça, après, je peux commencer l'appel d'octobre. L'appel d'octobre, je suis pas sûre de la faire complète. Parce que, comme il y a 2 anniversaires, j'ai peur. Ces 2 jours où je ne lirai pas, ça c'est sûr. Déjà, je ne lis pas beaucoup les week-ends. À part si on ne bouge pas, mais il va voir quand même. C'est sûr, un week-end. Enfin, du moins, un samedi où on va aller chez sa maman pour son anniversaire à lui. Du coup, voilà. Il faudrait bien aller voir plein d'autres personnes. Mais voilà, avec le pass. Enfin, le Covid, c'est compliqué. Voilà. Voilà, du coup, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va essayer. Voilà. Mais j'aimerais bien aussi faire un truc. Essayer de faire ma pal tous les mois, comme je fais pour le moment, essayer de m'y tenir. Et si j'ai pas terminé ma pal, me mettre un petit livre de plus pour essayer de lire plus. Ou alors un châtiment, je sais pas ce que vous... Je sais pas, dites-moi si vous avez une idée si ce que je pourrais faire si je fais la palle et que je la lis pas complet. Ou je me rajoute un livre ou je fais un truc que je dois faire pour les livres, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais dites-moi s'il y a un truc qui vous tente, que je puisse faire. Ou alors que vous choisissez un livre dans ma palle. Ça peut aussi se faire pour ceux qui veulent. Je peux peut-être donner 2 à 4 livres et vous choisissez dans ces livres-là que je dois lire comme punition. Voilà. Voilà. Du coup, je ne sais pas. À vous de dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je serai contente de voir. Voilà. Bon, celle-ci, elle est faite. Vous l'avez. Enfin. Vous l'avez. Ah non, elle n'est pas encore montée. Enfin, soit elle est faite, mais il faut que je la monte. Vous aurez ce vlog samedi et je la mettrai pour lundi. Normalement, je vais essayer de la monter. Grand max demain, il faut que je la monte. Comme ça, je vous la mets lundi. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, elle sera mise lundi. Voilà. Ça, vous verrez ma réussite. Je suis contente de ma réussite ce mois-ci. Voilà, j'ai beaucoup lu. Je reviens pas. Voilà. Du coup, je vais vous laisser et je vais aller bouquiner. Je voudrais bien le terminer. Que j'ai mal aux yeux. Je vais mettre mon produit pour mon oeil. Ça va aller mieux. Et voilà. J'ai pas grand-chose à vous dire. Hein. Je ne bouge pas. Je ne. Voilà. Je ne sais même plus si je vous ai parlé du livre que j'avais terminé dans la vidéo précédente. Il faut que je réfléchisse et que je regarde dans le vlog qui a 15 jours pour vous. Pour moi aussi, du coup. Du coup, je vais regarder à ça si je voulais parler quand j'ai terminé ou pas. Comme ça, je vous en parlerai tantôt ou demain. Ça dépendra de mon humeur. J'ai un truc à faire pour Vinted, mais je espère, croisons les doigts, aidez-moi si je retrouve ma boîte. Ouais, je ne sais pas où je l'ai foutu sur mon mail. Pour moi, j'avais mis dans. Pour moi, tout. En fait, tout ce que je vends sur Vinted, je mets dans une boîte en plastique qui est en place. Et pour moi, il était dedans. Et non, cette boîte-là n'est pas dedans. Du coup, ça me casse les bonbons.
Voilà, du coup, quand monsieur va rentrer à 4 h, on va vite regarder ça tous les deux. Parce que là, j'ai regardé un peu partout, j'ai pas trouvé. Mais avec sa tête, il va peut-être trouver. Voilà. Et voilà. Je suis fatiguée. Là, j'ai pas envie de lire, j'ai envie de dormir. Mais non, on va bouquiner. En plus, je vous ai pas parlé trop. On parle beaucoup de la ferme, de le métier ferme. C'est la première fois que je lis un roman sur ce domaine là. Oh, comment on dit? Oh, je sais plus le nom. Oh, je ne sais plus. Je l'ai dans la tête. Je ne sais plus. Comment on dit quand on parle de la ferme? C'est une. Je ne sais plus. Enfin, soit on va suivre deux personnages. Le garçon qui est. Je ne sais plus son nom. Je sais jamais les noms. Elle, je sais bien que c'est Luna. Luna, elle a 22 ans. Et lui, il a 33 ans. Et en fait, elle est arrivée dans le petit, dans la petite maison de famille pendant les vacances pour qu'elle étudie pour son école. Voilà. Mais. Elle ne veut pas trop étudier. Elle ne veut pas être enfermée là-bas. Comment elle va faire? Voilà. Et lui, ben, depuis toujours, depuis que ses parents ne sont plus là, je pense, il a repris la ferme familiale et il ne s'est pas posé de questions. Il a toujours continué à faire ça. Sauf que voilà, il fait que ça, un petit peu, ça l'embête. Voilà. Il profite pas de sa jeunesse, on va dire. Voilà. Et. Du coup, voilà. Et cette fille va arriver. Elle va aider une jeune femme, enfin une vieille dame qui habite pas loin de la petite maison où elle est. Et elle va aller chercher du lait pour cette dame-là chez ce garçon. Et il va voir des petits trucs qui va attirer leur attention. Et Gabriel, voilà. Gabriel, je reviens sur son nom, Gabriel. Pourtant, c'est facile, hein, mais pff, non. Et du coup, Gabriel, le fermier, va lui donner du lait et il va se demander pourquoi elle vient chercher souvent. Et du coup, elle va dire que c'est pour, je sais plus le nom de la personne âgée. Et voilà, et du coup, ils vont avoir des petits trucs ensemble. Mais lui, il veut pas parce qu'il y a quand même une dizaine d'années de différence entre eux. Il y a 10 ans, parce que c'est 22 et, 20, et 33. Et du coup, ils veulent pas. Enfin, lui, il veut pas. Elle veut absolument. Elle a craché. Elle a craché. Craqué pour lui. Oh là là, ça va plus. Craqué pour ce garçon. Mais lui, il essaie de tenir le plus possible. Non, non, non. Mais le non, non, non va devenir oui. Voilà. Du coup, voilà. Et c'est une belle histoire. J'aime bien. On parle de vaches. Il va. Je vais pas trop vous en parler non plus, mais j'aime bien la façon qu'il parle aussi. Il va mettre bas un petit veau. Je sais, c'est un petit veau. Une petite vache, un petit veau. Je crois que c'est un petit veau. Pour vous dire, hein, je crois que c'est un petit veau. J'ai bien aimé. Articulteur. Voilà, articulteur. J'ai bien aimé. J'aime beaucoup. Je pense pas lui mettre une. Oh, ce sera pas un coup de cœur pour moi, mais c'est une bonne lecture. Voilà. Je pense que j'aurais dû le lire sans trop cou de coupure, comme j'ai eu. J'ai quand même eu 4 jours sans le lire. Du coup, voilà. J'aurais pu le finir avant ça. Mais voilà, comme je n'ai pas lu 4 jours. Mais voilà. Sur ce, je vais quand même vous laisser. J'ai du Diamond Painting à terminer aussi. J'arrive pas à avancer pour le moment. Vous dire que j'ai envie de rien faire. Voilà. J'ai juste envie de regarder des vidéos, des vidéos, des vidéos. Je suis accro à Chicago Fire, les pompiers. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop bien. Si au montage, j'oublie pas, je vous mettrai la photo juste ici. Si vous la voyez, tant mieux. Si vous la voyez pas, tant pis, je suis désolée. Non, normalement, je veux savoir quand je la montrerai, je vais pas oublier. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, en plus, ça va être court cette vidéo. Comme je vous ai pris que mardi, mercredi, jeudi. Vendredi. Ouais, vendredi, je vous reprendrai. Je vais essayer de vous prendre vendredi. Voilà. Et je ferai le montage vendredi dans l'après-midi. Enfin, après-midi, fin de journée. Je vais essayer de monter la partie. Et quand je vous aurai pris, refaire l'autre partie. Voilà.
Et j'espère que pour vendredi sera terminé parce qu'on sera le premier. Et je veux vous en parler dans cette vidéo aussi. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard ou à demain. Il faut que je finisse cette lecture. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve plus tard. Bonjour Mathilde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est jeudi 30 septembre. Voilà, je reviens dans ce vlog qui est déjà pas très long, mais on va le faire plus long. Voilà. Vous aurez vu avant, si je fais bien mon taf, j'ai été à Ville 2, à la FNAC. Et je vous ai fait quelques petites captures de livres. Voilà, j'ai pas fait grand chose, il y avait du monde. Et je voulais pas non plus avoir des gens sur ma vidéo. J'aime pas. Voilà. Parce que logiquement, il faut avoir l'accord des personnes que si vous montrez en vidéo. Du coup, voilà. J'ai pas voulu trop faire, quoi. Voilà. Excusez-moi, mais je tousse tout le temps pour le moment. Désolée si ça vous casse les oreilles. Voilà. Du coup, ce matin, un grand rangement dans mes bouquins. N'hésitez pas à aller sur mon... Oh!
Vinted. J'ai remis quelques livres en vente. N'hésitez pas à aller les retrouver si vous voulez. Voilà. En plus, ils sont tout neufs. C'est les nouveaux que je viens de recevoir. Comme les deux que j'ai eu dans la box, que vous l'aurez vu ou pas, je ne sais pas. Dans le petit colis que j'ai eu en double, du coup, il est dans le. N'hésitez pas à les retrouver dans la barre d'infos. Voilà. Sur ce, voilà. J'ai beaucoup travaillé parce que là, il est presque. Il va être 4 heures en fait. Je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Au matin, de 9h à 10h, j'ai rangé tout mon petit coin livresse. Voilà, ça fait du bien un petit peu de voir clair et de mettre en vente ce que j'ai, enfin ce que je n'en ai pas besoin. J'ai fait un tas aussi, j'ai une caisse. Enfin, si vous... J'ai pas de bibliothèque, juste la petite que vous voyez là, elle est toute petite. J'ai une caisse, en fait, je mets tous les livres que je lis dedans. Et du coup, j'ai tout retiré qui était au-dessus parce que je mets les livres de dessus, sur les caisses. Voilà, en attendant. Et du coup, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est les livres que j'ai lus. Comme ça, je suis tranquille. Et voilà. Et puis, j'ai une petite boîte en plastique que j'en ai mis dedans aussi. Voilà, je vais plus savoir quoi. Mais mon chéri est en train de me faire un coffre. En fait, en travaillant, il récupère des boîtes en bois assez épais. Et du coup, il est en train de la ranger. Il a retiré ce qu'il y avait dedans parce qu'il y avait des bois, parce que ça tient du matériel. Là, du coup, il y avait des trucs de bois avec qu'il a retiré. Voilà. Qu'il a arraché tous les petits clous qui dépassaient aussi. Il lui a mis des petites roulettes. Maintenant, il n'y a plus qu'à lui trouver, comme c'est en bois dedans et qu'il y a des endroits où il était un peu éméchéré, ben, pour pas à chaque fois aller prendre la caisse et me blesser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder après quelque chose, je ne sais pas encore, un bulgum, quelque chose, genre un tapis ou pour mettre en le collant pour que je me fasse pas mal, que j'abîme pas non plus les livres, les coups et tout ça, pour faire voilà, un petit coffre de livres. Voilà, ça serait bien. Du coup, voilà, ça il est en train de le. Il faut qu'il finisse. Enfin, on doit y aller pour chercher le. Ce qu'on doit on veut mettre dedans. Enfin, on est en train de regarder les prix. Parce qu'au début, moi, j'avais parlé du tapis qu'on met sur les tables. Un bête tapis, même si. Parce que je sais qu'à Trafic, je crois. Non, pas Trafic. Farfouille. Parfois, ils font des rouleaux à petit prix. Parce qu'ils n'arrivent plus à vendre. Ils ont plus assez de mètres. Et du coup, je lui avais dit, bah, allez voir pour ça. Et même si j'ai pas deux sorts, si j'ai deux sorts dans le bac, je m'en fous, quoi. Voilà, c'est juste pour protéger et pas me blesser, voilà. Mais là, quand on a été, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait rien, en fait. Du coup, voilà. Puis, il avait pété un plomb, mais moi, je ne veux pas l'abricot. Voilà. Du coup, voilà. Et, fragile, j'ai pas le choix. Allez, avec lui, voir. Voilà, je dis, moi je m'en fous tant que c'est un truc pour protéger, que la couleur est verte, rouge ou n'importe quoi, je m'en fous, c'est dedans qu'on voit pas. Voilà, et par après, il faudra que je ponce. J'aimerais poncer ça, parce qu'il y a des écritures dessus noires, poncer, ils remettent un petit couche de brun, couleur brun, je crois, dessus. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait ça. Puis j'ai ma mamie qui m'a appelé à l'aide. Parce qu'elle n'est pas trop bien et mon papa voulait un livre chez Belgique Loisirs. Du coup, j'ai été. Je me suis rien pris. J'ai pas craqué. Pourtant, j'en avais deux que j'ai trop envie d'avoir. Mais que j'ai pas pris. Voilà. Du coup, là, je suis contente, je suis fière de moi. J'ai réussi à résister. Voilà. Parce que voilà, de toute façon, j'ai encore un livre qui est en commande, mais je ne l'ai pas avant le 28 octobre, fin du mois, de toute façon, voilà, de Jennifer Allan Trout. Il y a le nouveau aussi. Oh, Epping et. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus le nom, mais enfin, soit. Voilà, ce matin aussi, j'ai fait un petit peu à la recherche de livres qui sort pour le mois d'octobre. Du coup, j'ai pris mon petit carnet et je me suis fait une. Petite, ouais, j'y fais. J'en ai un que j'ai, c'est celui de. Le nom, c'est Le sang est de cendre.
de Jennifer Adam Truth qui sort le 28 octobre chez The Saxus. Voilà. Du coup, je vous ai mis un petit peu ce que j'ai envie. Enfin, voilà, du moins que j'aimerais bien avoir. Je ne prendrai pas tout, hein, mais dès que j'ai, je cocherai et comme ça, je verrai bien ce que je prends par mois. Enfin, ce que prends, ce qu'il y a par mois. Voilà. Et quand je les prendrai, ben, voilà quoi. J'ai plein de livres de Noël. Il y a plein de livres de Noël qui sortent. Voilà. Il y a la boîte à musique 5 qui sort le 29 octobre. Absolument que ça, je vais essayer de me le procurer. C'est un palais de flammes et d'argent de Sarah Gimas. Voilà, c'est ça que je voulais. Mais j'ai pas encore lu les autres. J'ai le tome 1 et le tome 4, je pense. Voilà. Du coup, j'aimerais bien me le procurer aussi, le 5. Il faudra que je les autre. Du coup, j'ai le 1, le 4, je crois que c'est le 4, le 5. Du coup, il me manquera 2, 3. Voilà. J'essaierai de me les procurer et me les lire surtout. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on va parler un peu de lecture. Je vous avais dit qu'il fallait que je le termine aujourd'hui. Il n'est toujours pas terminé. Je pensais aujourd'hui faire pas grand-chose. Mais j'ai pas arrêté. Je suis à la page 377 au chapitre 42. J'ai presque fini. Il me reste vraiment pas grand-chose. Je vais essayer de mettre un gros coup là. J'ai plus rien à faire là. J'attends monsieur parce qu'il est 4 heures. Enfin, il va être 4 heures. Logiquement, il est déjà sur le chemin. Parce que logiquement, aujourd'hui, il doit conduire son collègue. Son collègue a tombé en panne. Du coup, il a été le chercher au matin. Et il le redépose. Bon, c'est pas loin, c'est 10 minutes d'ici, mais voilà quoi. Du coup, il rentre un petit peu plus tard, c'est logique. Voilà, moi je suis fière de moi. J'ai fait mes vêtements. Voilà. J'ai repassé, enfin repassé, replié tout ce que j'avais à replier. Voilà. Là, il y a les affaires de monsieur, mais vous voyez pas, mais sur le lit qui doit ranger. Voilà, j'ai mon pyjama prêt pour ce soir, à tout nouveau propre. J'aimerais bien changer mon lit, mais j'hésite de le changer aujourd'hui. Voilà, je demande à monsieur de changer, mais je ne sais plus quand je l'ai changé en fait. Je perds tout. J'ai une tête de. J'en peux plus. Il faut que je marque tout en fait. C'est fou pour le moment, mais voilà. Du coup, voilà. J'ai fait ça. J'étais avec ma mamie. Ma mamie m'a déposé un peu plus haut de chez moi parce qu'il y avait une mamie plus bas, enfin dans ma rue, enfin que je connais ici, deux maisons de chez moi, qui avait quand même assez pas mal de choses en main. Et du coup, je lui ai donné un coup de main. Voilà. Je suis rentrée chez moi. Fait ma petite vaisselle, sorti ma viande. Voilà, rangé mes vêtements. Ça prend un temps fou. Fait mes recherches pour les livres. Ranger mes livres, voilà. Tout ce que j'ai pas encore fait, c'est de lire. J'ai mal à la tête. Je crois que je commence à parler un peu très bas, mais c'est pas grave. J'attrape soif, voilà. J'ai mal à la tête. J'espère que j'aurai pas trop mal à la tête ce soir pour moi lire. Voilà, je pense que aussi c'est la lumière. Mais tantôt, je ne voyais plus clair. Voilà, j'avais le rayon soleil dans ma face. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est vrai que les lumières artificielles, c'est pas toujours bon. Voilà. Voilà. Et puis je m'occupe de mon petit chat aussi, parce qu'il n'est pas facile. Faut pas qu'il entende. Voilà. Seul truc que je vais faire là maintenant, c'est peut-être regarder si j'ai des commentaires sur la vidéo de mercredi. Voilà. Bon, je pense que je vous en ai parlé. Je suis pas très sûre. Mais je pense que de toute façon, j'en reviendrai vous en parler. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, j'espère. Parce que demain, on est le premier. Si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, demain, on est le premier. Du coup, voilà. Oh, 3 vues seulement. Et pas de commentaires. Voilà. Du coup, à partir de demain, ça fera dans 11 jours, c'est mon anniversaire. Wouhou! Enfin, ici, ça fait 12. Ça tombe bien, c'est le même chiffre. Voilà. Du coup, le 12 octobre, c'est mon anniversaire. Pensez à moi. Hein. Faites-moi un petit cadeau. Non, je rigole. Je rigole. Voilà. Non, bon, je n'ai pas de commentaires. C'est pas grave. Un peu triste, mais voilà.
Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ce week-end, je ne sais pas ce qu'on a prévu. Enfin, monsieur voudrait bien aller chez quelqu'un qui joue avec aux jeux vidéo par PC. Il a des fruits. Voilà, du coup, il a demandé si on pouvait en avoir. La personne a dit oui. Et puis, il habite pas loin d'ici, du coup, voilà. Et pour lui, ça fera l'occasion de le rencontrer. Du coup, voilà. Et ouais, j'ai tout ce que j'ai à vous dire. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Ça se voit. Voilà. Là, j'ai envie d'aller me coucher. Vous pouvez pas imaginer. Et j'ai pas fini parce que j'ai encore épluché mes patates. Faire à manger. Quand monsieur rentre. Que voilà. J'en peux plus. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un steak avec des pommes de terre. Les légumes, j'en sais rien. Je sais pas si encore une boîte d'haricots ou. Que dans le frigo j'ai plus de légumes. Ah, voilà. J'ai mal à la chaise. Voilà. Bon, je vais essayer d'aller continuer à lire un petit peu avant que monsieur rentre. Et voilà. J'ai envie de demander à monsieur qu'il fasse à manger. Est-ce qu'il croit qu'il vaudra bien faire à manger? Je sais pas si. Voilà. Et j'étais chez Club et du coup j'étais chez Belgique Loisirs. J'ai été chez la Fnac et j'étais chez Club. J'allais pas en particulier pour quelque chose, mais j'allais pour voir un petit peu. Ça fait du bien de changer les idées. J'avais trouvé, je sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. J'avais envie de me le prendre, mais je me suis pas pris. Du coup, voilà. Je ne sais pas si je vais les prendre. Je réfléchis à ça. Sur ce, moi je vais vous laisser. Parce que là je parle pour rien vous dire. Parce que j'ai pas grand chose à vous dire. J'aimerais terminer ça pour commencer ma page de octobre. Voilà. Pour pas être en retard quand même. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve demain, qui sera vendredi, que je viendrai vous parler. J'espère d'avoir fini pour demain, vous parler de ça et de conclure ce vlog pour commencer une nouvelle lecture demain soir. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. À demain. Bonjour ma petite Lucelle, je reviens dans ce vlog. Je vous ai oublié hier, je vais vous prendre de base vendredi. Mais on est samedi et je suis occupée à monter le vlog. Je devais vous mettre à 10h, mais il est midi. Tout va bien quoi, il n'y a rien qui fait aujourd'hui. Ce n'est pas grave, je viens vite pour conclure le vlog et vous parler de la lecture que j'ai terminée bien le 30 au soir. J'ai terminé le 30, j'ai déjà commencé un autre de ma palle de septembre. Mais du coup voilà, je l'ai terminé et j'ai bien aimé. Il faut que je mette les points, ce que je pense sur... BookNote, je ne l'ai pas encore fait. Je vais faire juste après d'avoir monté cette vidéo. Du coup, comme je vous ai dit, on suit deux personnages. Luna, une jeune fille qui va se retrouver, enfin que son papa va la mettre dans la campagne, on va dire dans la maison de famille, mais un peu dans la campagne où il n'y a vraiment rien, pour la faire étudier parce que voilà, son papa veut vraiment qu'elle rentre. Faire ce métier-là, mais elle ne veut pas, elle veut travailler avec les enfants. Voilà. Et du coup, elle s'ennuie un petit peu et elle va aider la mamie voilà, qui est juste à côté pour aller chercher du lait à la ferme plus bas. Et du coup, c'est ce qu'elle va faire. Elle va aller chercher le lait à la ferme et elle va avoir un crush pour ce beau garçon. Plus vieux qu'elle, bien sûr, il y a un problème d'âge. Moi, ça me dérange pas parce que voilà, j'ai déjà pas la même âge que monsieur. Voilà, on a quand même quelques années de différence. Pas beaucoup, mais voilà quoi. Trois, presque trois. Du coup, ouais, ce sera trois quand même. Parce qu'on est en même temps, du coup, ouais, trois. On a trois. Eux, c'est un peu plus. Elle a 20 ans, c'est 20 ou 22. Et lui, il a 33. Du coup, il y a une dizaine d'années de différence entre eux. Et du coup, lui, il veut pas craquer, il veut pas la voir. Comme ça.
Voilà, mais il faudra le lire la suite. C'est une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur, c'est une super bonne lecture. J'ai bien apprécié. Je suis contente de l'avoir lu. En plus, il n'y a pas longtemps qu'il était sorti. Du coup, voilà. Je suis trop contente. Et si vous voulez, il est dans la barre d'infos. Il y a mon Vinted. Il est en vente sur Vinted. N'hésitez pas à aller le prendre si vous avez envie. Et si vous dites que vous venez de YouTube. Je vous ferai un prix. Voilà. Sur ce, voilà. Et j'ai commencé la secrétaire Kim. Je vous en dis pas plus. J'en ai pas avancé beaucoup. J'ai lu à peine. Voilà. Je vais le terminer quand la vidéo va être en train de ploder sur YouTube. Je vais essayer de me dépêcher pour qu'elle soit plus ou moins pour 2 heures sur YouTube. Enfin, la vidéo est presque terminée. J'ai plus qu'à mettre ce rush là. Du coup, voilà, ça ira plus vite. Enfin, il faut l'uploader d'abord. Et puis, il faut la mettre sur YouTube. Et là, YouTube, c'est pas toujours évident. J'espère qu'elle sera pour 2 heures. Je suis pas sûre. C'est pour ça que je vais me dépêcher. En plus, elle sera pas très longue. Pour le moment, elle fait que 42 minutes. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous en parlerai dans le vlog que je vais bientôt ouvrir. Voilà, je vais me remettre à fond dans cette lecture. J'ai bien aimé. J'ai encore pas mal de lectures à faire hein, ce mois-ci. Enfin, fait que commencer, on n'est que le 2, mais voilà. Pour moi, je suis un peu en retard pour moi. Parce que j'aurais bien voulu finir celui-là le premier. Voilà, c'est autre chose. Enfin, soit. J'essaie de le terminer aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, un petit commentaire, ça me fait plaisir. De vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!